Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dofus 2. Aujourd'hui, c'est Brisage PA. Si vous ne l'avez pas vu, attention, très important, n'hésitez pas à aller voir la vidéo d'hier dans laquelle on a préparé 150 Tanta Exo pour des items Brisage PA qu'on aura aujourd'hui. Donc voilà, vite fait, avant de vous faire spoil, n'hésitez pas à aller la voir si c'est pas le cas. Et du coup, maintenant que c'est fait, maintenant que c'est dit, pour ceux qui ont vu la vidéo, si vous l'avez pas vu, bah tant pis. Mais du coup, on a deux hommes de guerre ainsi que un manteau de servitude à briser. Voilà, sur 150 Tanta, on a eu pas mal de chance, donc ça fait assez plaisir. Et on va voir aujourd'hui si on peut enfin faire de beaux brisages. Ça serait très cool. L'objectif, le G-Perf, ou au moins le plus près du G-Perf possible. Avec tout le puits qu'on aura, on mettra tout ce qu'il faut en rune pour optimiser et s'approcher au plus de ce G-Perf. Et puis derrière, vous le savez, maintenant c'est les brisages PA, c'est comme ça, on vise le plus beau G qu'on peut. Et derrière, c'est rune de transcendance, donc voilà, voilà, pour le programme. Et heureusement, hein, mine de rien qu'elles sont là maintenant, ces runes de transcendance, parce que, rappelez-vous, avant, il n'y avait pas de puits, et tu devais en plus sacrifier, enfin, prévoir du puits pour faire des tentats repères ou autre. Donc, ouais, franchement, ça facilite pas mal. Et pourtant, même avec ces runes de trans, on a déjà pas mal de difficultés à reach le G-Perf avant de pouvoir mettre les petites runes pour Exo en plus. On est parti sur ce premier homme de guerre, je vous l'avais dit. Programme, je pense qu'on va alterner, on va faire un homme vu qu'on en a eu deux, un homme, un manteau et un deuxième homme de guerre. J'aime pas dire homme, c'est bref. Du coup, bah allez, c'est parti. J'ai pris une petite calculatrice, non pas parce que je sais pas compter, mais c'est parce que quand je commente derrière, je me perds souvent. Donc au moins, on se rassure, c'est de côté. Et vous aurez comme d'habitude un petit compteur pour voir aussi où on en est, même si je le dirai évidemment à l'oral. Donc on est parti. Allez, on espère voir ce PA sauter très rapidement. Petit retour sur les G. Voilà, on a un G très très cool, bien maxé et tout. Là, il faut que le PA saute au plus vite et que. Et bien que derrière les runes passent bien, histoire qu'on valide ce. Enfin, qu'on aille chercher ce GPF. Allez, c'est parti. On met un premier dos, on met un deuxième dos. On va regarder, hein. Vraiment, là, on a plus deux. Bon, pour l'instant, on va pas trop compter ça. On va dire qu'il y aura compensation à chaque fois. On remontera un peu plus tard. Donc là, 74 intel, ça nous plaît pas trop. Même si, justement, c'était la sécurité. Si je mettais moins de 80, c'est parce que 2 pain pour monter à 80, ça se joue. C'est peut-être un peu compliqué, mais c'est jouable. On ne sera pas forcément bloqué. Allez, bon, pas évident. On perd un peu de stats. On maintient un maximum les lignes au perf moins 1, comme vous le voyez. Et le PA déjà tarde sur ce premier homme de guerre. Aïe, aïe, aïe. 70 intel. Ça, c'est parfait. Un petit crit de cri. Ah, ça a du mal. Hein. Les runes ne font qu'échec, quasiment. Une passa pour venir faire sauter le PA. Non, le crit. Aïe, aïe, aïe. Allez, Dofus. Je vous l'ai dit. Hein. On a beaucoup galéré sur nos brisages PA. Ok, et enfin voici le PA qui saute ici. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que j'ai mis sur... Genre, je viens de la mettre juste avant, mais je sais déjà plus, c'est terrible. Je sais que là, du coup, on a un puits. On a sauté avec le retrait, mais avec le retrait, j'ai mis quoi, les gars? Est-ce que c'était une raise? Je crois que c'était la raise hein, que j'ai tenté, c'était pas un dos. Donc normalement, c'était une raise. Voilà, au pire, c'est un dos, il y en avait deux, non pas un, mais je suis quasiment sûr, en fait, maintenant que j'ai mis une raise. Il me semble que j'ai mis la raise, hein, la raise R, hein, si c'est pas de bêtises. Donc ça fait qu'on a plus un... Et plus 1 ici, et donc on est à 5 sur 100. Le compteur est mis, je me le compte aussi, et on est parti. Qu'est-ce qu'on a de beau à voir? On a un beau 100 d'intel qui sera validé, malheureusement ce sera le minimum sagesse, 38. Bon, on va déjà monter les lignes avant de parler de ça. Je pense qu'on va directement partir sur l'over ravi, l'over vita, donc avec la ravi, pour s'en débarrasser. Est-ce que je mettrai tacle, ce qui nous fera perdre 20 à 21 vita, ou est-ce que je ferai pod plus... Inis qui nous fera perdre 17 à 18. Je sais pas, on va voir. Et la ravi qui passe directement, ça fait plaisir. Donc on va noter tac tac tac. Donc on est à 15, on va venir mettre. Ouais, du coup je pense, je vais me faire ce plaisir. J'espère qu'il y aura assez de puits pour venir mettre après. C'est un peu plus risqué hein. Là je suis en mode vas-y on vise le beau jeu et tout. Mais si derrière j'ai pas assez de puits, bah là ça m'aurait permis contre un peu de vita de peut-être valider le tac. Donc on est parti, la pote qui malheureusement passe pas. On espère faire le moins 5 et pas le moins 6. On fait le moins 6, bon 448 c'est déjà très bien. On met maintenant, on met le crit je pense. Hein. Le crit ça va pas être évident, toujours à 15. 25, ça c'est ok, ça fait plaisir. Allez, 75 de puits restant. Techniquement là il nous manque 30, 39, 46. Bon, on a la place, on a la place, il faut juste qu'il n'y ait pas trop d'échecs et notamment sur les repères, notamment sur le retrait PM à 15 qui est pas évident, les raïnes, attention. On va venir mettre, je sais pas, hein, vraiment je sais pas... Qu'est-ce que vous voulez qu'on tente à votre avis? Franchement, tout est difficile à passer là. Enfin, tout. Pas forcément d'ouf non plus, mais... Aïe, 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 plus 20. Plus 40. Aïe, 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 65 déjà avec l'intel. Bon, je pense qu'on va venir mettre les rets. Les repères, pardon. Directement, ça peut être bien. Ok, 6. 12. 18. Ok. Il nous reste que 17. Hein, donc là, le perf, on l'a déjà oublié. 17, bah, je suis obligé de venir mettre la reine, les gars.
Le brisage PA, je vous jure, c'est grave. Oh là 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 là. Premier homme de garde totalement raté. C'est. J'y peux rien vraiment. Genre, on a claqué deux gros échecs Krain. Moins 20 de puits, ça fait beaucoup de mal. Et ouais, non. C'est. Dur. Dur premier brisage. On reste confiant pour la suite, évidemment. Avec le manteau de servitude, c'est ça. Hein. Déjà, quand on doit assurer les stats à 100, une ligne à 100 de stats comme ça, bah, ça fait qu'on doit déjà perdre pas mal de puits potentiels avec les rats. Donc, bon, voilà, c'est le jeu. On continue du coup. On y va sur cet item encore bien monté et tout. Donc, bah, il faut espérer, encore une fois, voir le PA sauter au plus vite, s'il vous plaît, Dofus. Et ne pas me faire perdre trop de stats. Les répous, voilà, si elles peuvent rester à 37, comme ça on ne perd pas de puits à over, ça serait cool. On va mettre un petit tac peut-être. Ok, le crit. Je vais laisser tranquille. Je vais le tenter. Allez, tarde pas trop, frérot. Putain, il nous faut deux. Il nous faut deux rachats. Là, deux. Pas d'eau. La rachat, il en faut trois. Elle est à 70 comme avant. C'est chaud ça, c'est chaud. Je vais tenter la pado en crit, genre. Ok, ça c'est super. Heureusement, vraiment heureusement là. Ça il le fallait. Et je vais mettre la rachat maintenant en vrai. Ok. Les deux petites repères. Allez, d'ouf. Non mais vraiment. Ouais, mais ouf, c'est chaud. C'est chaud les gars. C'est chaud de ouf. Allez, on est à 18 du coup. Est-ce que ça va faire quelque chose? Je sais pas. Il va falloir over les répous. La chance. Oh là là, la chance à 73. Il va falloir faire passer par les pachas malheureusement. On va y aller directement. Et comme je vous ai dit, c'est jouable. Mais ça peut prendre pas mal de puits. Donc on espère que ça prenne pas trop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, 8, ça va. Honnêtement, ça va. 8 fois 3. 24. Et on est déjà à 42. Ok, alors. Ok. La pado. En crit. Super. Super, super. Ça, c'est une bonne nouvelle. On reste à 42. Ça aurait pu faire très mal. Hein. Là, il suffisait d'un échec et boum, on était à 72. Le brisage était déjà fini. Donc, heureusement, vraiment, c'est très, très dur, hein, ces items-là. Oui, l'arrachat. Ok, un peu de réussite. C'est vraiment cool. À mon avis, hein, on va garder du puits. Pour, enfin, on va d'abord prioriser les raises et tout. Les répons, on va les laisser à 39. Et puis, on verra s'il nous reste quelque chose pour passer un petit peu après à 40+. 18 sur ça, c'est un peu dommage, vraiment. 60, il nous reste 40 de puits. Il nous faut cet rachat. Ok, ça va, ça passe. 70. Donc, il nous reste 30. On va mettre, allez, les repères. Attention, ça, c'est compliqué. Une. Oh, putain. Allez, deux. 3, putain, 4, 5, plus de puits. C'est terrible, les gars! C'est terrible! Vas-y, le crit! Et non. Bon. En vrai, le G, il est nul, hein, mais il est ok, genre. Il est vite fait ok, mais il est très nul. Ah, c'est trop. Mais non, même la passage, je tente la passe en crit. Mais ouais, mais les gars, vous voulez faire quoi? Je vous jure, c'est trop dur, le brisage passe, ça me dégoûte. C'est tout le temps pareil, ça passe jamais comme il faut. Mais en vrai, c'est normal, hein, parce que là, il y a tellement de choses à monter. Je vois pas, à hein, moins de vraiment déjà avoir toutes les repères et tout, c'est compliqué, hein. Bon, du coup, dernier brisage. Allez, peut-être l'homme des guerres. Je vous avais dit, hein, je vous ferai 5 millions par item réussi. Pour l'instant, c'est pas vraiment réussi. Hein. Donc pour l'instant, il n'y a rien à gagner, les gars, je suis désolé. Mais j'aimerais bien, hein, parce que ça voudrait dire qu'on réussit. Allez, donc on repart. Allez, les repères, les restes seraient bien de les avoir à 10, enfin au max déjà. Le retrait, pas évident aussi à monter ça, mais le retrait à la limite c'est pas important. S'il a 14 à la fin, qu'on a les dos et tout au perf, c'est cool. On va retenter hein, cette passa. Ok. Les PA, ils mettent du temps, hein, quand même. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. On est retombé à moins 1 de raise. Et donc, on souhaite le PA sur un Dokri. Juste avant, c'était aussi un Dokri, j'imagine. Si je dis pas de bonne façon, c'est au plus, c'est un Dokri. Donc, au plus, j'ai enfin, au moins, j'ai au moins un puits, quoi. Donc, bah, on va dire qu'on est à 4 sur 100. C'est parti. Est-ce que ça va le faire cette fois-ci? Je sais pas du tout. Il nous faut encore 2 Rain. Il nous faut la passa. Il nous faut faire l'over aussi ravi. Je crois que c'était comme tout à l'heure, non? 417? Un truc comme ça. Donc on est parti. Est-ce que ça va passer directement comme tout à l'heure? Non. Ok, en deux temps. Donc 24. Donc, ouais, on va refaire le même move que tout à l'heure en espérant que ça réussisse derrière. On va venir perf au plus la
Vita, ok, un crit. Alors ça, du coup, c'est 2,5, hein, si je dis pas de bêtises. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc on va repasser un autre. Ah, par contre, là, ça va faire de la merde. Ok, faudrait que ça prenne sur la Vita, hein, pas sur les pods, s'il te plaît. Ok, ça va. Donc on a 10 de pods en plus. Donc ça, c'est 2,5, on redescend à 2. Donc ça nous fait qu'on tombe à 22 sur 100, normalement. Donc on aurait 78 depuis actuellement. Donc on vient mettre le Dofeu. Ok, donc plus 5. On va repartir sur les Rain hein, qui nous ont fait beaucoup de mal juste avant. S'il te plaît, il faudrait qu'il y en ait une qui crit, une qui passe. S'il te plaît, genre un peu de réussite. Oui, voilà. Voilà, c'est ça qu'il nous faut. C'est ça qu'il nous fallait, les gars. 37, il nous reste 63. Ça va, franchement, là, 63 depuis sur 100, on a envie de se dire c'est ok. Il nous faudra au moins une petite passe, faut pas qu'elle troll. Voilà, comme je vous dis, voilà, si on n'a pas full red, pas full sale, ennemi, on va voir. Déjà, on va mettre les repères qui nous ont fait beaucoup de mal avant. Donc, une en crit. Ok, peut-être un brisage réussi. Oui, les gars, franchement, ça sent bon là. Ça sent enfin bon le brisage réussi. On va mettre le dos cri. En crit encore, yes! Allez, la passa. La passa qui passe normalement. Je vais pas forcer plus la sagesse tout de suite. On va continuer sur les dos qui sont très importants évidemment. Et on espère qu'il nous reste assez de puits pour terminer sur la passa, le tac, le retrait. On verra ce qu'on fait, les gars. Allez, s'il vous plaît, les dos, passez vite. Ok, moins 15, ça fait mal. Et le dos crit, passe direct. Ok, moins 20. Ok, donc on est à 72 sur 100. Il nous reste 28 depuis. 28 depuis. C'est là qu'on réfléchit. C'est là qu'on réfléchit. Je pense que la passa, il faut la prioriser. Je rappelle, hein, cette magnifique item qui fait partie de la panneau guerre est un item donc avec sa panneau feu d'ocri qui est là pour taper fort. Le retrait PM, est-ce que c'est très utile? Bien sûr, on va pas faire un jet dégueu, donc on a déjà 14, donc c'est ok. Maintenant, je pense que la sagesse, ça serait déjà plus sympa à voir. Et puis, en vrai, hein, il y a le puits pour faire passa, tac, retrait PM, il n'y a pas de problème. Ça ferait 20 de puits, sachant qu'on en a 28. Donc on a même droit à un échec, par exemple, sur le retrait. Donc c'est encore jouable, mais je pense qu'on va prioriser la passa, ensuite le tacle et ensuite le retrait. Voilà, on verra aussi les combinaisons si jamais. Donc on y va sur cette passage, j'espère vraiment qu'elle passe direct. Ça serait très joli, hein, 449, 99, 39, s'il te plaît, Dofus. Ah, c'était sûr, c'est pas grave, c'est pas grave. On reste concentré, on vient passer notre deuxième. Pas ça. Et malheureusement, on est à 90, on n'a plus qu'une tentaille. Après, ça sera fini, mais je vais continuer du coup sur cette passa. Dommage, dommage, dommage. Bon, comme je vous dis, encore ça va ce jet. C'est pas un brisage vraiment réussi, réussi, comme j'en parlais, mais c'est un jet qui sera déjà bien ok et qu'on va du coup valider. Allez, ça va. Je vous fais gagner 5 millions pour cet item, les gars. Je vais pas en tirer énormément. Bon, je pense que je sais pas. Bah, tu sais quoi, on va voir ensemble. Je pense qu'il n'y aura pas d'équivalent de toute façon. On va regarder, mais voilà, on va dire ça va. C'est ok, ça fait comme un petit anneau exo. En gros. Bon, bah du coup, ça ferait un brisage semi-réussi sur 3 et les deux autres totalement ratés. Ça, c'est vraiment le brisage, je vous jure, c'est trop chaud. Hein. C'est vraiment trop chaud. Si t'as pas la réussite, un peu de crit et tout qui passe au bon moment, là, on en a eu. Hein. C'est dommage pour cette passa à la fin, ça aurait pu faire le G vraiment très, très, très clean. Après, voilà, une passa de 36 à 39, ça peut faire ce que ça nous a fait. Et là, bah, on pleure un petit peu. Donc, cette petite tome de guerre, vous allez pas voir le G. Attendez, vous savez quoi? Je vous enlève la cam le temps de regarder un peu les G. Du coup. Au niveau des G, là on a un truc donc c'est nul. Je regarde aussi un peu les prix quand même. Donc 10M là. Alors là il y a une trans, là c'est nul. Là. Ouais, là, je pense que c'est un brisage ré. Ouais, non. Ouais, c'est peut-être un brisage raté quand même, mais on a bien mieux quand même. Hein. Ici il y a 30 sagesse. Ici c'est un PO 10 de truc. Je cherche en fait un brisage. Hein. Ça c'est. C'est peut-être un brisage ça, mais il y a 30, c'est vraiment pas ouf. Là, pareil. Non, en vrai, je pense même pas que ce soit un brisage. Hein. Non, c'est... Ça va être compliqué, je sais pas du tout. 9 retraits là, 22 millions, 15... Ouais, ils ont négligé le retrait les gens. Ça m'étonne pas vraiment en soi. Je sais pas du tout à combien je peux le mettre. Je vous laisse voir les jeux, hein. Vous voyez qu'il n'y a vraiment pas du tout équivalent avec le 14-14. Il y a ça qui est en 30 sagesse quoi. Mais à part ça, il n'y a pas 12 millions ici. Je pense les gars... On va partir sur du 15. Je vais tenter 15. Je pense pas que je puisse vraiment tirer plus. Peut-être en soi, mais je sais pas. Je sais pas. Moi, je vais mettre 15. Je pense que c'est déjà honnête. Sans être ouf, je pense qu'il y a moyen d'en tirer plus. En soi, je pense qu'il y a moyen de tenter le 20 pendant un moment. Mais j'y crois vraiment pas de ouf de ouf. On va mettre 15. Voilà, je vais être raisonnable. Vous me direz encore une fois ce que vous en pensez. Je pense qu'il y a moyen de tenter un peu plus. Mais vas-y, 15, c'est déjà ok pour ce jet qui est pas non plus incroyable, quoi. Y a la base. Bon, voilà, ça ira.
Ça ira, je vais pas en demander plus, ça me va. Bon, du coup, ce que je vous dis, c'est que je vais vous remettre la cam. Voilà, re. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. Désolé, encore une fois, pas de réussite. C'est pas de ma faute. On en aura peut-être pour les prochaines vidéos exo. On en refera peut-être de temps en temps comme ça, des vidéos aussi full brisage, en espérant le lendemain réussir un maximum de brisage. Et puis, bah, en attendant, on les retrouvera toujours fois 50 ces tentatives dans les vidéos 150 tentats avec les 100 tentats sur Anno. Et puis, bah, c'est tout pour cette fois-ci. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu, commentez tout ça, vous abonnez, vous connaissez. Merci à tous pour vos soutiens. Comme d'habitude, et puis bah, je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde!